Bonjour, j'ai testé cette paire de jumelles Solognac de la série R900. C'est un modèle que j'ai en avant-première. En fait, il va sortir au mois d'avril. Il va venir renouveler les gammes de paires de jumelles existantes chez Decathlon. Donc Solognac, c'est la marque de Decathlon. Actuellement, il y a une série de paires de jumelles que j'avais eu l'occasion de tester avec Guillaume Blanchard sur Banc Optique. Clairement, on n'avait pas été impressionné. Et c'est pas forcément les produits que j'aurais le plus recommandé. Là, il y a clairement un changement dans la gamme Decathlon. Alors cette paire de jumelles va avoir un prix qui va un peu augmenter. La série 900 actuelle est vendue 200 euros. Celle-ci va être à 230 euros. Mais alors, par contre, la différence est colossale. La principale différence, c'est la qualité de fabrication. Mécaniquement, c'est assez étonnant. On a un châssis qui est en magnésium. Le magnésium, c'est un métal très léger. Et c'est un métal qui est difficile à usiner. Donc, en général, sur des produits d'entrée de gamme, on va trouver, dans le meilleur des cas, de l'aluminium, mais ça peut aussi être du plastique, tout simplement, du plastique moulé. En termes de coût de fabrication en usine, ça fait une énorme différence, parce que là, du magnésium, il faut l'usiner. Et c'est un métal très difficile à usiner, parce qu'il est hautement inflammable. Donc, il faut absolument pas le chauffer, il faut des machines spécifiques avec des extincteurs. Donc c'est un produit, bah oui, c'est un produit très difficile à usiner, qui demande quand même certaines compétences. Toutes les usines ne sont pas forcément capables d'usiner du magnésium, et évidemment, ça coûte plus cher d'usiner du métal dans la masse plutôt que de mouler du plastique, ce qu'on a souvent dans cette gamme de tarifs. Alors là où c'est étonnant, c'est qu'on a plein d'autres pièces qui sont en métal. On a cette vis à l'avant qui sert de bouchon. On a la molette de mise au point ici qui est en aluminium. La molette de réglage de dioptrie est en aluminium également, avec des gainages en caoutchouc pour une meilleure prise en main. Il n'y a aucun jeu sur ces molettes-là. C'est pas forcément trivial dans ce segment de tarif. Sur les œilletons, les bonnettes des œilletons, là, il y a un petit peu de jeu, mais rien de choquant. En tout cas, la dureté de réglage est bien dosée. C'est pareil sur les autres molettes de réglage, c'est bien dosé. Donc mécaniquement, on a un produit très flatteur, très réussi et très étonnant dans cette gamme de tarifs, vraiment j'insiste. C'est vraiment une très belle réussite. Alors après évidemment on est désireux de savoir ce qu'il en est sur le plan optique. Sur le plan optique, au centre du champ, j'ai relevé une finesse d'image de 0,8 minutes d'arc. Les plus petits détails sont vus sous un angle de 0,8 minutes d'arc. 0,8 minutes d'arc, c'est moins que les plus fins détails visibles à l'œil, qui sont de l'ordre de 1 minute d'arc. Si on a une vision de 10 dixièmes, il y a des gens qui sont capables de voir des détails plus fins, mais en tout cas, un œil standard perçoit des détails d'1 minute d'arc. Alors là, c'est étonnant en fait, parce que Decathlon a eu l'amabilité de me donner les données, les spécifications d'usine de la paire de jumelles. Et dans ces spécifications, il est précisé que le prisme de la paire de jumelles n'a pas de traitement de phase. Dans les prismes de Schmidt-Péchan, en fait, il y a une réflexion qui se fait sur un toit. Et en fait, par ces réflexions, en fait, il y a un phénomène d'interférence qui se produit et qui tend à dégrader la qualité des détails sur un axe. Et donc, en général, on aime bien que ce défaut soit corrigé par des traitements optiques, mais ça coûte cher. Donc là, le choix a été fait de ne pas corriger, et malgré tout, on a une qualité d'image très honorable. C'est pas la meilleure possible, mais on est déjà dans la très très bonne moyenne de ce qui se fait, et ça procure vraiment des images assez contrastées au centre du champ, des images vraiment agréables à l'œil. Donc ça veut dire que si le fabricant, l'usine, le sous-traitant en Chine fait l'impasse sur le traitement de phase, il est quand même méticuleux sur la construction du prisme et notamment l'angle de cette partie du prisme où il y a une réflexion sur un toit. Cet angle doit être ajusté avec une grande précision de l'ordre de quelques secondes d'arc. Donc c'est une pièce assez difficile à faire. Et là, ici, clairement, ça a été fait correctement. Donc c'est un très très bon point. L'autre aspect auquel on va être sensible, c'est la transmission de lumière. J'ai mesuré 85%. Alors là aussi, Decathlon m'a donné des spécifications d'usine. L'usine s'engage à une transmission de 82% à 550 nanomètres. C'est dans le vert, 550 nanomètres. J'ai fait la mesure à une longueur d'onde voisine à 532 nanomètres. Donc en changeant de longueur d'onde, on peut peut-être avoir une légère variation de transmission, je ne sais pas.
En tout cas, les mesures qu'on fait avec nos bancs optiques, c'est précis à plus ou moins 1%. Donc peut-être que si je mesure 85, on est peut-être à 84. Et puis bah, à la sortie de l'usine, il y a peut-être des disparités de production. En fait, le 82%, c'est une spécification minimale. Peut-être que certaines paires de jumelles sortent avec un ou deux points de plus de transmission. Bon, à l'œil, 1 ou 2% de différence, ça ne fait pas une grosse différence. En tout cas, 82, 83 ou 84% de transmission, peu importe. On est dans la moyenne. On est loin des produits haut de gamme qui sont quasiment 10 points, 10% au-dessus. Mais on est dans la moyenne. Et c'est une valeur tout à fait honnête, tout à fait acceptable. Surtout dans cette gamme de tarifs, encore une fois, là, c'est une paire de jumelles qui va être vendue 230 euros à sa sortie au mois d'avril. Donc c'est vraiment pas cher. Et en fait, je déconseille fortement de dépenser moins quand on souhaite acheter une paire de jumelles droites avec un prisme de Schmitt pêchant, parce que ce prisme est vraiment coûteux, difficile à faire. Et en fait, à moins de 200 euros, j'ai jamais vu de produit très très convaincant, honnêtement. Et même dans cette fourchette de prix entre 200 et 300 euros, c'est la première fois que je vois une paire de jumelles aussi convaincante. En gros, avec notre grille de lecture, notre barème d'évaluation, elle obtient une note de 26 sur 40. C'est assez comparable aux résultats qu'on obtient souvent sur des produits vendus 150 euros à 200 euros plus cher. Donc clairement, c'est une bonne affaire. Et après avoir testé plus de 100 paires de jumelles avec Guillaume Blanchard, dans cette gamme de prix, pour l'instant, j'ai pas vu mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des produits comparables sous d'autres marques. Là, ça sort d'une usine en Chine. Je sais qu'elle fournit d'autres marques. Donc, dans les autres marques en question, peut-être qu'on a un produit équivalent. Je ne sais pas s'il est vendu au même prix. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle réussite. Et bah, voilà, si vous avez un budget contraint, que vous voulez une paire de jumelles de qualité acceptable, celle-ci, c'est clairement un bon choix. Alors par rapport à des modèles haut de gamme, on a des différences, hein. Évidemment, la qualité d'image en bord de champ, elle est dans la moyenne, elle n'est pas mauvaise du tout, mais en tout cas, elle est loin de ce qu'on a sur des produits plus haut de gamme. On a un champ qui est de 107 mètres à 1000 mètres, c'est dans la moyenne, c'est pas très large, c'est pas non plus trop étroit, c'est aussi un choix judicieux pour limiter les coûts de fabrication. Donc voilà, sur tout un tas de petits détails optiques, le chromatisme aussi n'est pas le meilleur possible, la neutralité des couleurs n'est pas la meilleure possible, mais on est clairement au-dessus de ce qu'on trouve habituellement entre 200 et 300 euros. Donc bah, bravo Decathlon, c'est une belle réussite. Il y a d'autres modèles qui vont sortir, plus bas de gamme chez Decathlon. Je les ai pas eu encore entre les mains, normalement on va me les envoyer, mais ils ont de grosses différences. Déjà, je sais que la résolution au centre du champ va être moins bonne. Decathlon m'a donné les chiffres de l'usine, donc c'est sensiblement moins précis. Et les châssis surtout vont être en plastique, donc en termes de durabilité, de solidité, etc., c'est pas forcément l'idéal. Et si vous avez un budget contraint, bah, je vous conseille de temporiser l'achat pour avoir au moins de quoi vous payer cette paire de jumelles plutôt que d'aller dans des modèles plus bas de gamme. Ou alors, si on veut vraiment aller plus bas en termes de prix, il faut aller sur des prismes de poro. C'est ce qu'on conseille souvent sur les prismes de poro. Il y a des bonnes jumelles tout simplement parce que les prismes de poro sont faciles à fabriquer, plus faciles à fabriquer que les prismes de Schmitt Pêchant. Et du coup, il y a des produits, même à moins de 150 euros, qui peuvent être très intéressants. Je pense notamment à la Bushnell Legacy 1050 qui donne de très bons résultats. C'est une paire de jumelles qu'on trouve en dessous de 150 euros et qui est vraiment très bonne. Après, évidemment, elle est plus encombrante. Elle a une qualité de finition qui est très inférieure à ça, mais elle a une qualité d'image très honorable qui va quasiment pouvoir se comparer à une paire de jumelles comme celle-là. Tout simplement parce que ces prismes sont moins contraignants. Donc bref, c'est une belle surprise. On est content en fait quand on fait des tests de jumelles parce que c'est le genre de surprise qu'on cherche. Alors souvent, on est, je vais pas dire déçu, mais souvent en fait, on constate que la qualité est très très proportionnelle au prix. Ben là, c'est pas le cas ici parce que là, on est clairement sur un niveau de qualité qu'on trouve d'habitude sur des produits un petit peu au-dessus dans la gamme. C'est de l'ordre de 150 à 200 euros au-dessus. Donc c'est clairement une bonne affaire. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et puis je vous dis à bientôt.